Au niveau du 5S, je trouve ça très intéressant. On a restructuré nos postes de travail. On a supprimé ce qu'il fallait supprimer pour éviter l'encombrement. On a établi aussi des fiches de nettoyage. On a vraiment tout remis et on a une superbe usine aujourd'hui qui est très propre, très belle et très agréable à travailler. Elke gang, da staat een pancarte met een foto. En zo je kan de verschil zien als de zon in orde is of niet. En ook met een foto met de persoon wie is verantwoordelijk met de gang. Of... Bien sûr. On va prendre le poste au niveau de la coupe. Alors, nous avons restructuré au niveau des conteneurs. Ce sont des conteneurs qui arrivent du magasin directement chez nous à la coupe pour pouvoir mettre les profils. Auparavant, ils étaient rangés un petit peu en bataille. Aujourd'hui, avec le 2MS, on a tout resitué. On a mis des coins, ce qui permet pour la productivité notamment de savoir qu'on n'est pas en surproduction. Ça permet également pour la sécurité d'avoir des conteneurs au milieu du passage pour les caristes. C'est plus agréable également pour les soudeurs. Ils peuvent prendre leurs conteneurs sans devoir tout retirer pour prendre celui du bout. C'est un énorme avantage au niveau sécurité, au niveau productivité. Donc de fait, on gagne en qualité. Par exemple, dans la caisse à outils, si on veut une clé de 20, de 19 ou une pince, tout est visuel. Donc on a la clé qu'on veut ici, tout est bien rangé dans la caisse. C'est ça qui est l'avantage. On ne cherche pas après l'outil, on a un travail, c'est très 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 rapide de prendre une clé. Ouais, franchement, si toutes les entreprises feraient ça, ça leur ferait gagner du temps, ça aiderait leurs ouvriers, leurs employés à travailler dans de meilleures conditions et ça leur fera éviter aussi des accidents, des situations à risque et voilà. Alors le système 5S, c'est un système qui est très intéressant, qui est souvent employé ou même chez les musiciens, dans les orchestres et aussi à l'hôpital. Parce que l'hôpital, le chirurgien ne peut pas opérer quelqu'un s'il commence à chercher après ses outils et que ce n'est pas propre. Il faut que ça soit nickel et qu'il ne doit pas chercher ses outils. Dans la musique, le musicien aussi, il doit avoir une rigueur dans ses gestes. En fait, le piano, les notes, elles doivent être bien placées au bon endroit. Sinon, il ne peut pas jouer le piano à la main droite ni à la main gauche. Et chaque instrument, c'est la même chose. Staz, c'est comme aussi comme un orchestre. Il y a un chef, il y a des compositeurs, ce sont les ingénieurs, c'est ceux qui font les systèmes. Après, il y a les dessinateurs qui font les partitions. Et après, il y a les chefs ici qui dirigent un peu l'orchestre. Et les musiciens, ce sont les ouvriers. Et quand tout ce système est bien fait ensemble, on peut avoir une belle musique. Le résultat, ben, voilà, il y a des caisses qui sont faites chez Staz. Et le système 5S est un très grand progrès quand même pour Staz.